بلسان الحال في دهشين رب السماوات ذو الإحسان والمنن أستغفر الله من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعسن أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن حسن الختام بأن ألقاه في عدن يا الله من ذنب يؤرقني ويطرد النوم عن عيني ويحزنني أستغفر الله من ذنب يؤرقني ويطرد النوم عن عيني ويحزنني. هنا الجزائر إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، إليكم أخبار الساحل باللغة الفرنسية. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a achevé sa visite à Alger. La veille, il a été reçu par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ban Ki-moon n'a pas manqué d'exprimer ses félicitations au président de la République pour la contribution active de l'Algérie à la paix et à la stabilité dans la région. Auparavant, Ban Ki-moon a animé une conférence de presse conjointe avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Alam Talahmama. Retour sur la visite de Ban Ki-moon avec Souhila Habesh. La crise en Libye était l'une des questions évoquées. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a réitéré la nécessité d'une solution politique pacifique en Libye. Il nous arrive de Libye des informations alarmantes sur des actes graves qui pourraient constituer des crimes de guerre. Tous les acteurs extérieurs doivent user de leur influence pour calmer la situation. Si les choses ne progressent pas sur le plan politique, la crise humanitaire s'aggravera et les atteintes à la sécurité, y compris les attaques de Daesh, se multiplieront et gagneront du terrain. De son côté, le ministre d'État, ministre